Donc le but de cette manifestation et de cette journée, c'est aussi, c'est d'abord une sensibilisation des jeunes à ce qui peut se passer dans les maisons familiales à travers le monde, des maisons familiales 500 en France, 1000 à travers le monde, et sensibiliser les jeunes sur bien qu'est-ce que les jeunes de leur âge peuvent vivre à 5-10 000 km de lieu où ils sont aujourd'hui. Il me semble que c'est important, cette ouverture un peu sur une autre culture, sur d'autres formes de façon de vivre pour les jeunes, sur aussi les espoirs qu'ils peuvent avoir, parce qu'il faut donner de l'espoir à ces jeunes qui sont dans des pays des fois beaucoup plus compliqués que nous. Donc voilà, premier volet de cette journée, c'est d'ouvrir les jeunes un petit peu sur l'extérieur. Et puis il y a le côté financier, puisque je suis président de la fondation des MFR dans le monde, et bien c'est aussi une journée où on va récupérer, collecter des fonds. Ces fonds qui vont, via la fondation, vont être après redistribués, bien sûr, pour les projets de tous ces pays qu'on soutient. Aujourd'hui, la fondation soutient une vingtaine de pays à travers le monde. Et donc, voilà, les collectes qu'on va faire au cours de ces journées du mois de novembre, fin novembre, c'est les journées de la fondation, serviront, bien sûr, aux projets des maisons familiales qui se passent à travers le monde.